Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on est bel et bien en live sur GTA V. On est actuellement dans le mode réalisateur avec Franklin. Dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser à un truc qui est plus ou moins, on va dire, peu connu sur GTA V. Donc certains d'entre vous pourront peut-être, pourquoi pas, connaître et avoir déjà vu cet endroit. Mais c'est vrai que moi-même, quand je l'ai découvert, je me suis dit, what is this? Qu'est-ce que j'ai découvert là? Et au final, non du tout. C'est pas une découverte. C'est juste, on va dire, lié par rapport à un braquage qu'on peut faire avec les trois protagonistes, donc dans cette même ville, qui est située juste ici, donc vous la connaissez tous, en haut de la map. Donc il me semble que c'est le casse de... Alors je voudrais plus dire le nom pour être ridicule, mais je sais plus du tout, mais je vois de quel casse il s'agit. Donc c'est cet endroit-là. Donc comme vous le voyez à l'écran, en fait on peut voir un genre de motel, un hôtel tout simplement, avec le toit vraiment totalement pété, et on peut voir que l'hélicoptère a été, bien évidemment, finir sa course, aïe, dans la piscine. Et j'ai trouvé ça plutôt cool, notamment, de voir ça. Donc je pense pas du tout que ça soit disponible en mode online, parce que vous le savez bien, priorité en mode solo. Et normalement, je pense qu'en online, ça y est pas. Donc allez vérifier, mais il me semble pas du tout. Et on peut voir l'hélicoptère qui est crashé dans la piscine. Et franchement, ouais, c'est plutôt cool. Mais au final, au début, quand j'ai découvert ça, je me suis dit de quoi ça vient. Mais quand on regarde, en fait, juste en face, qu'est-ce qu'il y a? Il y a bel et bien la banque que l'on braque avec Franklin, Michael et Trevor, déguisés en mastodonte. Et rappelez-vous, on sort d'ici déguisé en mastodonte, donc les trois protagonistes. Et il y a un des protagonistes, celui que l'on contrôle, il me semble que c'est Trevor, qui va tirer sur un hélicoptère. Donc je vous mets l'image à l'écran. Et l'hélicoptère va aller finir sa course sur le toit de cet appartement. Et pour finir, pardon, sa course dans la piscine de cet appartement, de ce genre de motel. Donc voilà, donc c'était plutôt cool. Et au final, je pensais avoir découvert quelque chose d'intéressant. Mais au final, pas du tout. Il y a énormément d'endroits comme ça dans GTA V où l'on peut retrouver pas mal de choses, comme également la ferme des frères Auneuil. Il y a également l'hôpital où à un certain moment, on peut également voir l'hôpital cassé après que Trevor ait passé dedans en voiture. Mais il me semble que c'est à peu près les seuls endroits où on peut voir que nos protagonistes sont passés par là. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire si vous connaissez ou non cet endroit. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur GTA V. Et peace les gens. I'm